ça ne manque pas d'air. Diapo 4. Expérience de la fontaine. On a trouvé une bouteille et on y a mis une paille. On a rempli la bouteille avec de l'eau. Ensuite, on a gonflé un ballon que l'on a mis sur la bouteille. L'air a poussé l'eau qui est sortie par la paille. Allez, c'est parti! Oui. Faux. Non, fais pas ça, tu vas l'éclater. C'est belle. Fontaine qui fait pipi. L'expérience du bocal. On a mis de l'eau dans un saladier et on a mis un papier sec dans un verre. Pour la première fois, on a plongé le verre avec le papier sec dans l'eau, mais on n'a pas laissé passer les bulles d'air. Donc quand on l'a ressorti, le papier il était sec. On l'a refait une deuxième fois avec le papier sec et on a laissé passer les bulles d'air. Donc le papier après, quand on l'a ressorti, il était mouillé. Alors, Annette va mettre le verre. Il y a un papier dans le verre, le papier il est bien sec. Alors là, on va mettre le verre dans l'eau. Et on voit que le papier il est encore sec. Alors on remet. Et maintenant, cette fois, on va faire passer les bulles. On va faire sortir l'air. Et du coup, et on voit bien que le papier il est mouillé. Alors pourquoi, Loïc va l'expliquer pourquoi le papier il était mouillé. Et parce que l'air il protégeait le papier, et donc comme un état retiré l'air, il ne protégeait plus le papier, donc le papier a pris l'eau. Expérience de la chenille. Martine nous a découpé une chenille en papier et on a soufflé dans la paille et l'air a repoussé la chenille. Donc là, on voit que la chenille elle bouge parce que l'air elle pousse la chenille. L'expérience de la bougie. On a allumé une bougie et on a soufflé dessus. Et l'air qu'on a expulsé a éteint la bougie. Non. On a allumé la bougie et les ondes vont l'éteindre avec de l'air. Et donc on voit bien que l'air, il a éteint la bougie. Schéma cœur-poumon. L'air rentre par les poumons et le sang se charge en dioxygène. Le sang passe par tout le corps. Le corps se nourrit donc en dioxygène et le dioxyde de carbone ressort par les voies respiratoires. Le schéma suivant vous explique ceci. Diapo 9. Nous avons besoin d'air pour respirer et fournir de l'oxygène à nos cellules. Ce gaz passe dans le sang grâce à nos poumons et se fixe sur les globules qui l'amènent aux cellules. L'expiration, elle, permet de se débarrasser du gaz carbonique, lui aussi contenu dans l'air mais dont notre corps n'a pas besoin. L'air que nous inspirons passe par le nez, la trachée, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaire, puis passe dans le sang et les cellules de notre corps. Diapo 10. En bleu, on peut voir le trajet de l'oxygène et en rouge, le trajet du sang. La composition de l'air. Dans l'air, il y a 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz, les gaz rares.
Diapo 15. Brûler des déchets verts, le trafic routier, les activités industrielles et les modes de transport comme l'avion sont des sources de pollution créées par l'homme. Diapo 16. Les principaux polluants sont le dioxyde de soufre, créé par les usines et les voitures, le dioxyde d'azote, créé par les usines, les voitures, les avions et les bateaux, l'ozone, créé par les voitures et le soleil, les particules en suspension, créées par les usines, les voitures, la poussière, les avions et les bateaux, et les métaux lourds, créés par les usines et les déchets. Ces différents pôles respiratoires et ont des conséquences sur la nature. Décès liés à la pollution de l'air extérieur et intérieur. Chaque année, 7 millions de personnes meurent prématurément de la pollution de l'air intérieur et extérieur, dont 21% par des pneumonies, 20% par des AVC, 34% par des cardiopathies ischémiques, 19% par des bronchopneumopathies chroniques. Qu'est-ce qu'un lichen ? Les lichens sont des organismes composés d'au moins un champignon. Le mycobionte est un partenaire photosynthétique, plus rarement de le photobionte, l'algue verte ou cyanobactérie. Diapo 23. Où trouver des lichens ? Ils poussent là où aucune plante ne peut vivre, en haut des montagnes, sur les rochers du bord de mer, sur la lave refroidie. En pourrissant, les débris de lichen forment un sol. Et d'un voire deux partenaires photosynthétiques. Qu'est-ce qu'un lichen ? Les lichens sont des organismes composés d'au moins un champignon et d'un voire deux partenaires photosynthétiques. Barbu, jaune, orange ou noir. On en connaît déjà 20 000 espèces. Comment le lichen vit ? Le champignon protège l'algue. Il lui donne de l'eau et des sels minéraux. L'algue fabrique des sucres et d'autres produits qu'elle partage avec le champignon. C'est une symbiose, un peu comme dans le corail. Mais à cause de la pollution, certains lichens meurent. En les observant, Diapo 28. Les lichens de couleur orange indiquent une mauvaise qualité de l'air. On les appelle Hypogymnia, Xanthoria parietina, Parmelia et Evernia. Les lichens de couleur rouge indiquent une très mauvaise qualité de l'air. On les appelle Pleurococcus, qui est une algue et non un lichen, Lepraria, Xanthoria polycarpa, Buellia. Nous avons utilisé les outils que nous a donné la CDPNE qui nous a permis de faire une fiche diagnostique pour le lichen. Clé d'estimation de la qualité de l'air selon les lichens rencontrés. Au départ, si on a Usnea, on a une qualité d'air qui va être très bonne. Si on a Ramalina, on a une qualité de l'air qui est bonne. Fiche diagnostique qualité de l'air. Ce tableau nous sert à repérer les différents types de lichens. Feuillus, encroûtes, Evernia, Ramalina, Usnea. Selon que l'on soit en bord de route, en forêt, en ville. Fiche diagnostique qualité de l'air. Donc, d'abord, on met notre prénom, la date, etc. On met où on est, on met quels arbres on voit. Si on est plutôt au bord de la route, en forêt, en ville, dans un jardin.
Ensuite, on met sur un arbre. Nous, on a fait sur 3 arbres. Combien on voyait de lichens feuillus en croûte, Evernia, Amalina et Usnea si on en voyait. Donc, on a regardé tout ça. Et puis, on s'est rendu compte que pour le parc Ronsard, par exemple, on a trouvé que la qualité de l'air, elle était entre moyenne et bonne. Nous avons choisi 3 lieux, le parking de la Liberté, le parc Ronsard et la cour de notre école. Nous avons 5 groupes pour l'inventaire et chaque groupe devait choisir 3 arbres différents à observer et remplir une fiche par site. Ensuite, nous harmonisions les 5 fiches du même site en une seule. Nous reconduirons la même procédure pour d'autres sites. Diapo 36. Voici un plan du centre-ville de Vendôme où nous avons fait nos expériences. Diapo 37. Voici la fiche diagnostique de la qualité de l'air de la cour de l'école Yvonne-Chollet. Nous avons trouvé du lichen feuillu sur 2 arbres, du lichen en croûte sur 2 arbres et de l'Evernia sur 1 arbre. Avec cette expérience, nous pouvons estimer que la qualité de l'air de la cour se situe entre moyenne et bonne.